Bien, salut à toi jeune pomme. Bienvenue sur Malkov TV, ma toute nouvelle chaîne YouTube qui date de 1 an bientôt. Non, je rigole, je sais pas du tout en fait. C'est une très bonne question que je devrais me poser. En tout cas, je sais que vous allez déjà m'engueuler, me gronder comme diraient les parents, ou comme dirait je ne sais qui d'un âge dépassé. J'ai encore changé de background, j'allais dire, de fond d'écran. Je le sais, mais ça reste toujours sur le thème du alien. Sérieusement, je l'aime bien le logo, hein, je le trouve super design. Bien fait et appréciable à l'œil. En tout cas, on va passer direct sur Skype parce que voilà, je vous montre notre logo, donc logo YouTube, possibilité de mettre sur YouTube, Skype, forum et tout et tout. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Sinon, pour en venir au sujet principal de cette vidéo, vous avez pu constater qu'elle s'appelle Astuces de comment lancer son projet. Alors, je vais vous apprendre à lancer votre projet. Je vais vous apprendre à lancer votre projet qui soit alors un projet YouTube, par exemple chaîne communautaire, chaîne personnelle ou autre. Ou que vous soyez une structure, association, team, e-sport, sportive et autres. À vrai dire, quel que soit votre projet, je vais vous aider en plusieurs étapes. Donc, il y aura plusieurs astuces. La première astuce, ce sera comment, vraiment comment le lancer, comment aborder son projet. Et tout. Alors, pour aborder son projet, déjà, faut trouver des personnes. Vous recrutez des personnes, vous voyez ce que vous pouvez faire, vous voyez leurs compétences, ce qu'ils font, si, par rapport à leurs études aussi, parce que ça peut souvent aider. Ça peut souvent vous aider pour votre projet. Deuxième truc, commencez à se lancer sur des réseaux sociaux pour au moins montrer un minimum de qualité aux gens. Alors on va donc sur Google Chrome, donc je suis sur YouTube. Alors, pour commencer sur YouTube, pour commencer à lancer son projet, c'est très simple. Hein. Donc la base, première partie, d'ailleurs je vous ai déjà fait un tuto sur cela, Community Manager. Donc visez à créer une page Facebook de qualité avec une description. Oui, moi j'ai le Facebook en anglais, mais avec une description de la compagnie, un site internet, s'il y a une possibilité d'en créer un. Par exemple, vous pouvez en faire sur des sites tels que, je vais quand même toujours vous présenter, c'est plus pratique. Des sites sur Wix, donc c'est un truc gratuit pour faire des sites. Hein. Ils font de très 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 bons sites professionnels. C'est juste que voilà, vous aurez un Wix avec un nom, ça fait pas pro. Après, vous pouvez payer un nom de domaine. Mais vous pouvez commencer avec ça pour un site internet ou encore... Je peux aller sur Google, merci. Ou encore WordPress en premium pour créer un blog, mais vous pouvez faire quelque chose de très 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 pro comme la Epsilon. Epsilon, voilà, c'est un blog WordPress qu'ils ont, voilà, un site assez professionnel et passable au niveau de l'actualité et tout. Je trouve d'ailleurs déjà eux qu'ils ont gagné la Formine Arena 2. Donc voilà, les partenaires, oui, ce sera plus tard. Voilà, donc vous faites Facebook, réseaux sociaux, un site internet si vous en avez la possibilité. Puis vous pouvez passer sur Twitter, donc un compte Twitter qui est, ça permet de mettre à jour, hein, vraiment à la minute près, votre projet, hein, toute l'actualité de votre projet, je veux dire. Puis après, vous pouvez viser YouTube. Mais là, il y en a beaucoup qui vont me dire, voilà, commencer YouTube comme ça, c'est un petit peu difficile. Parce qu'on a un background simple, on n'a pas toutes les fonctionnalités, et sérieusement, des fois, quand on lance son projet, ça pourrait beaucoup nous aider. Alors, je vous propose quelque chose de sympa pour que vous ayez, donc, comme la chaîne, ma chaîne à moi, hein, qui a 4694 abonnés, la Alien TV, hein, de la structure Alien Interactive que j'ai créée. Donc, on est partenaire, on a toutes les fonctionnalités YouTube, au niveau des lives et tout. Et donc, vous me dites, voilà. On sait pas comment faire et c'est dur souvent de se lancer. Alors je vous propose de lancer votre projet en étant partenaire YouTube. Donc là vous me dites que c'est pas très très possible. Alors je vous propose de créer une chaîne. Une première chaîne où vous mettrez l'actualité, vraiment vous mettrez l'actualité, mais que vous ne l'appelez pas vraiment avec le nom que vous souhaitez avoir. Sur cette première chaîne, vous allez la passer partenaire YouTube.
Vous ne gagnerez pas d'argent, c'est bien, je vais bien vous présenter un network qui ne vous fera pas gagner d'argent, il n'y aura que lui qui va rapporter cet argent. Mais au moins, vous aurez toutes les fonctionnalités du partenariat. Et je vous propose ça parce que souvent, c'est super utile au niveau des lives et tout. Mais après, si vous faites des lives, vous pouvez très bien aller sur Twitch TV qui vous propose de faire des lives justement hein, sur des tournois et autres. Mais vous pouvez faire des lives de bonne qualité avec un logiciel qui s'appelle Split Broadcaster. Mais au moins, si vous passez avec un network partenaire, vous aurez toutes les fonctionnalités, le background partenaire et tout. Donc, je vous propose cette astuce parce que vous aurez un petit avantage au niveau du partenariat YouTube, ce qui vous aidera grandement pour votre projet. Mais comme je l'ai dit, vous ne gagnerez pas d'argent. Je sais que je suis en train de me répéter. Vous ne gagnerez pas d'argent. Mais au moins, vous pourrez lancer votre projet. Et quand votre projet sera lancé, par exemple que vous avez 1000 abonnés, voire moins, mais des gens vous suivent, que vous avez une communauté qui vous suit, vous avez juste à leur dire, voilà, je suis désolé, j'ai eu un petit problème avec mon network, ou j'ai eu ceci comme problème, ou cela, et vous changez de chaîne, vous mettez tous vos abonnés sur la chaîne, et vous la passez partenaire avec un vrai network pour gagner de l'argent. Et le network, bah, je vais vous le présenter d'ailleurs, donc c'est Unsoulness Network TV Network. Un network bah, qui aide beaucoup de gens, je ne saurais pas vous dire s'ils sont vraiment payés. En tout cas, je sais qu'ils aident beaucoup de gens avec des abonnés plutôt élevés. La plupart sont en anglais, mais ils vous font passer très rapidement. Vous avez juste à vous connecter, hein. Donc je me connecte parce que sérieusement, il n'y a pas à avoir peur. De toute façon, je ne vais pas faire l'application. Donc voilà, vous mettez votre nom de chaîne, tout. Hein. Et vous changez jusqu'à arriver à la cinquième étape. Et pour vous prouver, donc j'ai un ami à moi qui a une chaîne à 12 abonnés et qui est passé partenaire chez eux. Donc voilà, Antibox, un V9, et il est passé partenaire donc chez Unsoulness Network. Et voilà, il a toutes les fonctionnalités. Donc je vous propose ceci pour lancer votre projet en dehors des réseaux sociaux, qui vous aidera pour le lancer. Je sais que c'est pas très honnête de proposer des networks comme ça, mais je veux vous aider à lancer votre projet hein, et je suis prêt à vraiment vous aider. Si vous avez toutes sortes de questions, je vais rajouter dans mes descriptions de vidéo mon Skype hein, à partir de cette vidéo-là pour que vous puissiez me contacter sur Skype, il n'y a pas de problème, je vous accepterai pour tout projet. Je peux vous aider pour vos projets, mais je n'irai pas jusqu'à prendre une place parce que c'est pas comme les graphistes, hein. Si c'est un peu comme ça, j'en ai un peu marre parce que j'ai travaillé dans plein de structures où je devais signer des contrats que j'ai jamais signés et j'en ai un peu marre d'être pris pour un con, on va vraiment le dire, hein, j'en ai un peu marre d'être pris pour un con. Donc cette fois-ci, je veux plus vraiment participer à des projets bénévolement et je le comprends parfaitement quand je cherche un GFX et qu'il me dit voilà, ou un graphiste, il me dit voilà, j'en ai marre de travailler bénévolement, hein, je suis pas un pigeon, je suis là pour t'aider dans ton projet, mais ça a besoin d'être rentable pour moi. Et c'est de même pour quelqu'un qui travaille dans le marketing ou la communication, ça doit être rentable pour lui, parce qu'il va grandement vous aider. En tout cas, je pense que je vais vous laisser sur ceci. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que vous allez aimer ma série d'astuces. Je sais pas du tout combien il y aura d'épisodes, mais je sais pas, peut-être une petite dizaine. En tout cas, là, c'est le tout début pour vous aider vraiment à lancer le projet. Hein. Et dernier truc à dire, n'hésitez pas à recruter des gens réputés à proposer votre projet à des gens avec déjà une petite notoriété ou grande et à vous faire des contacts. C'est souvent utile. Sinon, je pense que je ferai le stade d'association la prochaine fois et peut-être les partenaires, je sais pas. Mais je vais vous laisser sur ceci. Donc, je vous dis à très bientôt. Bon appétit, prenez soin de vous et peace.